Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique des livres à part et aujourd'hui cette chronique va être un petit peu particulière puisque je ne vais pas vous présenter un seul livre mais trois livres. Je les présente tous les trois en même temps parce qu'il s'agit en fait de biographies de saints, de bienheureux aussi pour être plus exact. Alors ne partez pas tout de suite si vous n'êtes pas catholique ou si vous pensez que ça n'est pas pour vous. Je trouve vraiment que le fait de lire des biographies de personnes aussi édifiantes peut vraiment servir à tout le monde, que l'on soit catholique ou non. Et justement, c'est ça qui est vraiment, vraiment passionnant, c'est que l'on, juste avec le récit de la vie de quelqu'un, ça nous élève, ça nous fait connaître aussi tout simplement des choses historiques. Donc rien que de ce point de vue-là aussi, ça peut être vraiment super intéressant. Alors les trois que je vais vous présenter. Le premier s'intitule « Le sacrifice du soir, vie et mort de Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI ». Donc celui-ci, cette biographie est de Jean de Viguerie. La deuxième biographie s'intitule « Le voile et la plume, Jeanne de Chantal et François de Sales, l'étonnant récit de leur rencontre ». De, alors là j'espère ne pas m'écorcher son nom de famille, la pauvre, Marie-Claire Bussat et née Voltzen. Et le troisième est un livre de Jean-Noël tout bon, qui s'intitule « Ainsi était Saint-Louis ». Donc vous l'aurez compris, c'est l'histoire de Saint-Louis tout simplement. Je vais commencer par ce dernier, puisque c'est celui que j'ai lu le plus récemment. C'est Jean-Noël qui me l'a envoyé. Ce livre est paru aux éditions Vox Gallia, il y a vraiment très peu de temps, hein, ça doit être 2020, voilà, avril 2020. Et donc tout c'est plutôt, ça ressemble presque à un livre de poche, hein, c'est pas la grosse biographie qui fait des milliers de pages ou qui se fait en 10 tomes, c'est vraiment plutôt un petit format. Et on en apprend beaucoup sur la vie de Saint-Louis. Alors moi qui connaissais un petit peu sa vie, j'en ai encore appris beaucoup. Tout est dit de façon très claire, c'est peut-être pas le mot, je veux dire en tout cas on ne se perd pas dans des circonstances ou des détails historiques sans fin. On suit vraiment la vie de Louis XVI avec évidemment un contexte historique et on voit un peu ce qui se passe autour, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas noyé dans des milliers et des milliers de dates, de noms, de... Voilà, on suit vraiment sa vie de façon assez simple. Il y a beaucoup d'extraits, d'écrits ou de paroles de Saint-Louis, donc on se sent vraiment encore plus proche de lui. C'est vraiment, ça se lit vraiment très facilement et en même temps on en apprend plein. J'allais dire, c'est vraiment la vie de Saint-Louis qui est mise à la portée de tous. Et ça passionne, vraiment on est presque comme dans un roman, on suit sa vie qui était vraiment palpitante évidemment. C'est vraiment un modèle, Saint-Louis, évidemment, pas que pour les hommes, pour les femmes aussi, hein, son modèle de sainteté tout simplement, de justice, d'abandon en la divine providence, mais aussi de voilà, toujours se mettre sous le regard de Dieu pour prendre les décisions importantes. Donc on peut en tirer vraiment, même si on est une femme, évidemment beaucoup de bonnes leçons pour nos vies, on va dire. Et évidemment, bien sûr, est abordé, enfin on voit aussi certaines choses sont rapportées à propos de la femme de Saint-Louis et de sa mère, évidemment. Donc c'est vrai qu'ils étaient de belles femmes, non, enfin si, peut-être qu'elles étaient belles, mais je veux dire, c'était de belles âmes en tout cas, et on en apprend aussi, ça nous donne aussi des modèles féminins, même si c'est une biographie de Saint-Louis. Donc vraiment, je vous recommande ce livre qui est facile à lire, qui est à la portée de tous. Je vais quand même vous lire la quatrième de couverture pour vous donner un petit peu envie. Et je vous redonne donc le nom de l'auteur et les éditions, donc édition Vox Gallia et l'auteur Jean-Noël Toubon. Comment Saint-Louis est-il devenu la figure la plus admirée de l'histoire de France? Il a été au XIIIe siècle le maître incontesté de toute la chrétienté. Son amour de la paix et de la justice en fera un souverain au prestige moral indiscutable. Celui qui reçut une éducation si exigeante de la part de sa mère Blanche de Castille a passé sa vie guidé par deux livres, les Évangiles et les Psaumes. Saint-Louis défendit également une cause qui était celle de toute l'Europe chrétienne, la croisade.
Par ses voyages outre-mer, il voulut reconquérir Jérusalem, défendre les chrétiens présents en Terre Sainte contre les attaques musulmanes et convertir les infidèles à la foi catholique. Saint Louis aurait donné sa vie pour la conversion d'un seul homme à la foi du Christ. Il avait le désir intense de sauver son âme et celle de son peuple. Il voulait plus que tout faire triompher le bien, quoi qu'il lui en coûtât. Avance le bien par tout ton pouvoir, préconisait-il à son fils. Au fil des pages, vous entrerez dans la vie du roi très chrétien et vous comprendrez les raisons qui ont conduit ses contemporains à l'élever au rang des grands saints catholiques. Qu'a-t-il dit, qu'a-t-il réalisé de si remarquable pour que, 700 ans après sa mort, son règne continue de nous émerveiller ? Ce livre a pour ambition de répondre à ces questions. Un tel gouvernement, ne pouvant être inspiré que par les évangiles, fut un modèle de la royauté française. Puisqu'évidemment, il est à prendre comme modèle non seulement d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue politique, pardon. Alors voilà pour la brève présentation de ce livre. Je passe maintenant au livre Le voile et la plume, donc sur Sainte-Jeanne de Chantal et Saint-François de Sales. Alors ça, c'est un livre un peu plus épais pour le coup. Il fait, c'est écrit en assez petit, il fait combien ? 400... En comptant les annexes, il fait 430 pages à peu près. Mais pareil, ça se lit comme un roman. C'est d'ailleurs écrit comme un roman. Ce que j'ai beaucoup apprécié, bah, c'est l'une d'entre vous qui me l'a fait découvrir maintenant, il y a... peut-être 3 ou 4 ans, je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai lu. Je me souviens que j'avais peur que ça soit trop romancé. Et la personne m'avait dit, vous inquiétez pas, c'est écrit comme un roman, mais ça fait pas non plus cuculapraline, hyper romancé. Enfin, on se croirait pas non plus dans une fiction, loin de là. Et en même temps, c'est tellement bien raconté qu'on se plonge dans... On plonge vraiment dans le quotidien de Sainte-Jeanne de Chantal et... On en apprend aussi un petit peu sur Saint-François de Sales, même si le livre est surtout dédié à Sainte-Jeanne de Chantal, donc c'est elle que l'on suit, mais comme elle a rencontré Saint-François de Sales et qu'il a été son directeur spirituel pendant assez longtemps et que c'est ensemble qu'ils ont créé l'ordre de la Visitation après la mort de son mari. Voilà, c'est vrai qu'on en apprend beaucoup sur ces deux saints. On voit toutes les épreuves qu'elle a traversées. C'était une femme à qui tout souriait, ou presque. Elle avait un super mari, de super enfants. Son mari est mort dans un accident de chasse, si je me souviens bien. Et voilà, à partir de ce moment-là, elle a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Et pourtant, elle est toujours restée une femme forte. Enfin, c'est vraiment un modèle de femme. C'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, j'aime beaucoup toutes ces biographies qui nous font plonger dans le quotidien d'hommes et de femmes qui nous élèvent en fait. Ça nous montre concrètement ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu des vies parfaites. Ils ont eu des croix, ils ont eu des difficultés. Et pourtant, on voit leur tempérament et tout ce qu'ils ont fait malgré cela. Donc franchement, c'est très édifiant. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Elle rêvait, donc Sainte-Jeanne de Chantal, elle rêvait de n'être qu'une inconnue. Elle est célébrée aujourd'hui partout dans le monde aux côtés de Saint-François de Sales pour le 4e centenaire de la fondation de l'ordre de la Visitation Sainte-Marie, leur œuvre commune, donc créée en 1610. Voici la rencontre la plus inattendue de ce début du XVIIe siècle, tandis que se consument au loin les brasiers des guerres de religion. Où et comment une majestueuse baronne de Bourgogne et un brillant prédicateur de Savoie se regardent pour la première fois, se reconnaissent et scellent une destinée unique. Pourquoi resteront-ils à jamais unis par le cœur, par l'esprit et par l'âme ? Qui est vraiment Jeanne-Françoise Frémiot, communément appelée de Chantal, parce qu'elle était baronne de Chantal ? Sur fond de confidences, d'aveux, d'émotions, de doutes et de tentations, d'engagements et de voyages, défilent les 38 premières années de la vie d'une grande dame souvent méconnue qui aura su affronter un siècle guerrier et novateur, puissamment masculin et le marquer durablement. C'est vrai que j'avais oublié de préciser qu'elle était baronne, donc elle avait aussi tout un statut, et bon, ça ne l'a pas empêchée de se mettre au service des pauvres. Enfin, vraiment, cette sainte a eu une vie plus qu'édifiante. Le troisième livre que je voudrais vous présenter est donc une biographie de Madame, celle qu'on appelle Madame Élisabeth, qui était donc la sœur du roi Louis XVI. Biographie écrite par Jean de Viguerie, je ne sais pas trop comment on prononce, l'édition c'est Cerf Histoire, C-E-R-F, Histoire, et l'année d'édition par contre 2012, donc là ça date un petit peu plus.
Je vais vous lire la quatrième de couverture. Orpheline à l'âge de 3 ans, Madame Elisabeth, la petite sœur de Louis XVI, la dernière de la famille, bénéficie pourtant d'une instruction complète. Sportive, passionnée d'équitation, excellente en mathématiques et en dessin, vive, active et rapide, elle étonne son entourage par la diversité de ses talents et la fermeté de son caractère. Avec sa maison princière et ses amis, elle forme une petite cour au milieu de la cour, y faisant régner la piété et la paix. Elle ne se marie pas, n'entre pas au couvent. Sa vocation est de rester avec les siens, le roi, la reine et leurs enfants. Dans les dernières années de l'Ancien Régime, comme avertie de la tragédie, elle se prépare pour les secourir. À partir de 1789, elle les assiste et les réconforte. Refusant de les abandonner, elle quitte avec eux Versailles pour les Tuileries et les Tuileries pour la prison du Temple. Après le roi et la reine, elle est guillotinée, le régime ne peut pas l'épargner. Elle est son ennemie. Elle a toujours vu dans la Révolution un mensonge et une illusion. Elle a toujours déploré la faiblesse de son frère et n'a jamais pu y remédier. Ange consolateur, grande figure de la résistance spirituelle à la persécution antichrétienne, elle est aussi l'exhortatrice. Elle encourage ses amis à la perfection chrétienne. Dans la voiture du retour de Varennes, elle convertit Barnave à la cause du roi. Sur le chemin de l'échafaud, elle exhorte à la mort ses compagnons de supplice. Puis elle quitte ce monde sans regret, tout à l'espérance de se retrouver dans le sein de Dieu avec sa famille. C'est un livre magnifique. Encore une fois, pour celles qui aiment l'histoire ou qui aiment tous les romans historiques. Alors celui-là, il est un peu moins dans le style du roman, mais c'est magnifique. Je n'ai que des bons souvenirs de cette lecture. Je l'ai faite il y a 6 ans, pour tout vous dire, et ça m'a vraiment marquée. Alors je vous disais dans l'introduction des biographies de saintes, de saints et de bienheureux, parce qu'il me semble que Madame Elisabeth... je sais qu'elle n'est pas sainte, il me semble qu'elle est bien heureuse cependant, ou alors que son procès en béatification en tout cas a été ouvert, a été initié. Je vous avoue que je suis pas très au clair là-dessus, mais il me semble qu'il y a des gens qui militent pour sa cause, pour qu'elle devienne sainte, qu'elle soit canonisée. Donc on voit encore un modèle de femme qui était parfaitement dans son temps, mais en même temps qui détonnait un petit peu, qui ne suivait pas les traces qu'on avait préparées pour elle, qui sortait quand même un petit peu du lot, qui détonnait par son caractère, elle avait beaucoup beaucoup de caractère, elle détonnait par son caractère, son indépendance, qui était vraiment très exceptionnelle, vu l'époque dans laquelle elle vivait. Mais ce que j'apprécie cependant, c'est que ce n'est pas la féministe actuelle qui aurait tout envoyé balader, qui aurait voulu se croire au-dessus des autres, ni quoi que ce soit. Elle a su rester à sa place, elle a su quand même accomplir son devoir d'État. Ça n'a pas empêché qu'elle prenne un petit peu d'indépendance et qu'elle trace son propre chemin, puisque effectivement elle était ni au couvent et elle a refusé de se marier. Puis de toute façon, après, elle est morte assez jeune. Mais en tout cas, pour son époque, c'était déjà exceptionnel de ne pas être mariée, surtout pour son rang, par rapport à son rang. Pour autant, elle n'a pas mené une guerre contre les hommes. Pour autant, elle n'a pas renié sa nature de femme. Elle n'a pas renié sa vocation, son rôle propre. Elle a été exemplaire. Elle a vu toute sa famille mourir sous ses yeux. Elle a encouragé tout le monde. Elle a été vraiment une femme, une vraie, qui a du caractère, mais qui l'emploie à bon escient, pas égoïstement, pas dans une guéguerre contre les hommes, contre ses proches, mais vraiment voilà, au service du bien, du beau, du vrai. C'est vraiment une biographie que j'ai énormément appréciée également et que je vous recommande. J'espère en tout cas que cette chronique vous aura vraiment donné envie de lire plus de biographies de vie de saints. Alors il en existe d'autres évidemment. Il en existe beaucoup d'autres même. Vous pouvez peut-être déjà, si vous n'avez jamais lu de vie de saint, commencer pourquoi pas par la vie de votre saint patron ou de votre sainte patronne. Mais voilà, si vous en avez déjà lu beaucoup, si vous ne connaissez pas celle-ci, je vous les recommande vraiment. On plonge dans leur histoire, on plonge dans leur quotidien, et ça ne peut que être un modèle pour nous et nous élever. Bien évidemment, nous ne vivons pas à la même époque, nous n'avons pas les mêmes obligations, nous n'avons pas la même vie. Ça, c'est une chose, mais même malgré ça, on peut en tirer des leçons vraiment pour notre quotidien. Ce sont des exemples édifiants. Donc, je vous encourage vraiment à lire
ces trois biographies, l'une d'entre elles, d'autres vies de saints, ce que vous voulez, mais vraiment pour vous, pour essayer vraiment de vous élever et d'avoir un idéal, parce que c'est pas les stars, entre guillemets, les célébrités qu'on a à l'heure actuelle qui vont nous tirer vers le haut. Voilà pour cette chronique de livres à part que je vais terminer ici. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.